Je m'appelle Adrien et je vais vous présenter mon quotidien de thésard. On a un problème. On brûle beaucoup trop de pétrole, de gaz et de charbon. Comme on ne peut pas tout électrifier, on pourrait brûler un peu d'hydrogène décarboné à la place. C'est pour ça que je fais une thèse sur le stockage solide de l'hydrogène en essayant de l'absorber dans des métaux. On va descendre dans l'atelier et je vais vous montrer comment est-ce que je déforme mes métaux. Ici dans l'atelier, je viens un maximum tous les 2 mois parce que ça va très vite de déformer mes métaux. Mais après, ça me prend des semaines de comprendre ce qui s'est passé ici. Donc on va aller voir dans le microscope comment ça s'est passé. Donc là, bah, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Là, c'est un jour moyen. Parce que en fait, je découvre que la carte qui a tourné toute la nuit, elle a réussi à récolter quelques informations, mais il y a plein de trous où en fait le signal n'était pas assez bon et j'ai pas d'infos. Lui, il a besoin de retourner au polissage à côté pour lui refaire une beauté. Ici aussi, je passe des après-midi entières. C'est ici qu'on va polir la surface d'un échantillon sur du papier de verre, en gros. Et moi, là, comme j'ai besoin de résultats un peu plus fins, je fais un polissage pas avec du papier de verre, mais avec des ions, avec un canon à ions. Et ça se passe à côté. Mon échantillon, je le mets là-dedans. Et ici, il y a 2 canons à ions qui vont polir la surface de mon échantillon pour qu'il soit bien miroitant et qu'on puisse voir quelque chose au microscope. Et en dehors de ma thèse, j'apprends à vivre au 10e siècle. Merci de m'avoir suivi et je vous invite à venir me soutenir au Centre Prouvé le 2 mars à Nancy pour la finale régionale de ma thèse en 180 secondes.